Un peu perdu dans les chiffres, je vous rappelle que c'était le 4e titre proposé ce soir. Je regarde dans le bleu du ciel. Une réflexion que l'on aimerait pouvoir se faire plus souvent. Elle est le thème de la chanson finlandaise interprétée par une jeune fille blonde aux yeux bleus, Katri Helena. Malgré son titre optimiste, cette œuvre évoque la tristesse d'une certaine solitude. Écoutez plutôt, il va cherchant le jeune enfant de la terre, trouverai-je jamais mes racines? Le petit oiseau, même quand il émigre, ne trouve l'ombre de son nid qu'instinctivement. Je regarde dans le bleu du ciel, toi la plus brillante des étoiles, puis-je encore te prier, montre-moi le chemin du foyer, à moi seulement. Le chef d'orchestre est monsieur Ossi Roum, qui gagne maintenant la fosse d'orchestre afin de diriger les musiciens israéliens. Etsien käy lapsonen maan, tokkopa koskaan juurtuessaan. Lintunenkin muuttaessaan, pesäpuun löytää vain vaistollaan. Mutta etsien käy lapsonen maan, haikeus mielen kotina vaan. Siiventän on etsiessään, rauhaa en löydä kai milloinkaan. Katson sinne taivaan, tähti kirkkain sua. Taas mä pynnöin vaivaan, ohjaa kotiin mua. Peittäen turhaan kaipaustaan, toiveenikin päivien työn, mennessään ilta tie syliin yön. Oh yeah.
Nous prenons à présent la direction de la Côte d'Azur avec Laurent Wagner qui représente Monaco. Compositeur, il a signé de nombreuses chansons de Joe Dassin, Nicole Croisille et Michel Thor, mais ce Parisien de 30 ans a décidé de se mettre à son compte. Alors pour ce faire, il nous invite à partager sa passion et nous dit « Notre vie, c'est la musique » avec des paroles légères. Comme j'aime les guitares de rock'n'roll, toutes les chansons un peu folles d'Angleterre et d'Amérique, les discos qui nous entraînent au-delà de l'Amérique. Notre vie, c'est la musique, délirante et romantique. Notre vie, c'est la musique. Une façon de vivre, et oui. Signé Jean Albertini et Didier Barbolivien. La musique, elle, est de Paul de Senneville. Et la direction de l'orchestre est assurée par Gérard Salet. Charles Salès, qui était également un jeune chef d'orchestre. J'aime les guitares de rock'n'roll, toutes les chansons un peu folles d'Angleterre et d'Amérique. J'aime qui nous entraîne au-delà de l'Atlantique. J'aime le samedi soir à Paris, sur les boulevards de la nuit, quand on voit passer les filles. J'aime les motos dans la folie, on se retrouve entre amis. Jouer la fureur de vivre, vivre. Hey, notre vie c'est la musique, délirante ou romantique, et depuis toujours on l'aime. Hey, hey, notre vie c'est la musique, fantastique ou nostalgique. Elle est toujours la plus belle. J'aime les pianos désaccordés, tous les violons trafiqués dans un studio sur la scène. J'aime quand une fille aime bien la vie folle des musiciens, quand elle vient me dire je t'aime. Elle est toujours la plus belle. Hey, notre vie c'est la musique, délirante ou romantique, et depuis toujours on l'aime. Hey, notre vie c'est la musique, fantastique ou nostalgique. Nous allons quitter Monaco pour nous rendre à un point presque extrême de l'Europe. La Grèce. Et avec la Grèce, nous plongeons dans l'histoire en rendant hommage, par l'intermédiaire de la chanteuse Elpina, à Socrate. Elle dit entre autres, « Si pur, si gentil le premier messie, toi Socrate, le premier superstar, tu flânais en cape de mendiant et ta barbe blanche ressemblait à des oiseaux. » Toi, Socrate, le premier superstar, tu parlais d'amour et de vérité. Toi, le plus savant des savants, on ne t'appelle pas Dieu, on ne t'allume pas de chandelle, mais tes paroles brûlent comme des flammes, on les dit encore.
un hommage vibrant, orchestré par Monsieur Alka Diaris. Pour l'artiste, l'attente de l'arrivée du chef d'orchestre est toujours difficile. C'est là que l'on ressent le plus le trac. Un trac qui disparaît dès les premières mesures, mais là, il faut patienter. Il faut arriver à se contrôler pour pouvoir bien prendre la note lorsqu'elle est donnée par le chef d'orchestre aux musiciens. Και καλός ο πρώτος Χριστός Σοκράτη εσύ σούπερσταρ με κάπα ζητιάνου γυρνούσες και στα άσπρα σου γένια πουλιά τριγύρω λαός και εσύ Άγιο Φως Σοκράτη εσύ σούπερσταρ για αγάπη και φως τους μιλούσες σοφέ των σοφών βασιλιά. Το φως Σοκράτη εσύ σούπερσταρ η Αθήνα που τόσο αγαπούσες φαρμάκι σου δίνει πίκρο πικρή χαραυγή ορφάνευε η γη Σοκράτη εσύ σούπερσταρ την ώρα που εσύ ξεκινούσες να βρεις τον αιώνιο Θεό. Σοκράτη εσύ σούπερσταρ ο Θεό, Θεό, Θεό δε σε λένε κεριά, 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 κεριά δε σου καίνε αλλά τα λόγια, τα λόγια σου καίνε ακόμα, ακόμα, ακόμα τα λένε Σοκράτη εσύ σούπερσταρ σούπερσταρ À chaque fois goûter la réaction de la salle pour éviter d'influencer ou que l'on me reproche d'influencer ensuite le jury. Si j'en crois Peter, Sue, Mark, Fury, Gorps et Kniri, les chanteurs suisses, vous allez être étonnés. En toute modestie, ils l'affirment à travers leur titre Brocanteur et compagnie, jugez-vous-même, le monde n'a encore jamais vu quelque chose comme nous. Ce sont eux qui le disent. Notre domicile est nulle part, nous sommes les Brocanteurs et compagnie. D'abord, quelqu'un nous a apporté les casseroles et nous eûmes bientôt fait une batterie. Et de cet arrosoir, nous en avons fait un trombone.
tout un programme qui tendrait à prouver que le bon musicien est avant tout un bon bricoleur. Pardon. À noter que c'est la troisième fois que ce groupe représente son pays dans un concours international de chansons. Le chef d'orchestre est Monsieur Rolf Zukowski. Emmènent toutes leurs brocantes. Et nous en profitons pour continuer notre chevauchée européenne en nous rendant en Allemagne avec un titre « Eyo Eyo » qui, contrairement à ce que vous pourriez penser, peut se traduire en français, où il devient, selon la traduction littérale, « Ah ah ou ». Un exemple qui démontre que le maniement des langues n'est pas toujours très aisé. Les interprètes sont les Genghis Khan et leur chanson rend hommage à un chef tout-puissant qui aurait plu à Attila. Écoutez ces paroles. Ils ont chevauché follement dans les steppes, dans le vent, un millier d'hommes. Et l'un d'eux était devant, que tous suivaient aveuglément. Les sabots de leurs chevaux s'enfonçaient dans le sable. Ils semaient la peur et l'effroi partout où ils passaient. Et ni l'éclair, ni le tonnerre ne pouvaient les en empêcher. Allez, cavaliers, oh les gars, allez, cavaliers, toujours de l'avant. Norbert Dôme mène cette cavalcade.
is God. Ha! Woo! Ha! Die Rufe ihrer Pferde, die Peitschen den Sand. Sie trugen uns zum Schrecken in jedes Land. Chevauchée fantastique se termine, les Allemands regagnent les coulisses et nous faisons nous un retour et une escale à notre point de départ avec la chanson israélienne. Une chanson qui poursuit l'actualité, vante la paix entre les hommes. Aussi, elle s'intitule comme il se doit Alléluia. Alléluia au monde entier, tous en chœur reprendront Alléluia. Avec ce seul petit mot, le cœur déborde, comblé, et lui aussi bat, disant « Quel monde merveilleux !» Alléluia, dit la chanson, Alléluia aux jours qui se lèvent, Alléluia aux jours qui furent, et à ceux qui viendront, Alléluia. Ce chant d'amour est interprété, et c'est logique, par un groupe, le groupe Milk and Honey. La vedette en est une jeune Israélienne, Gali Attari. Bien sûr, ce groupe est très attendu ici par le public israélien. Un succès d'estime, bien évidemment. Le public veut soutenir sa chanson. Et le chef d'orchestre est M. Kobi Oshrat, qui vient de saluer le public. Et la chanteuse israélienne arrive à son tour sur scène. Hallelujah.
comme chez Méhi. Alléluia, Alma Shaya, Uma Sheot Loya. בהמון צלילים ואיתנו הם יאמרו